J'ai l'arrière-pays. Et parce que pays a vraiment, c'est un pays en profondeur, c'est un pays en détresse, c'est un pays d'accabado malheureux. Parce que, en fait, et les problèmes sont là, multiples. Et c'est grâce, par exemple, à cette réjouissance de la diaspora qui fait que, autant de parler des Iwa, autant de parler de Dame Marie, mais la présence de l'État. Moi-même, qui suis là, il y a un réseau fermé. Si c'est forme de que je ne suis pas des Iwa. Ok. Je ne suis pas des Iwa, je ne suis pas Dame Marie. Mais, si vous regardez, par exemple, il y a une institution communautaire qui gagne dans les Iwa, c'est moi qui fais. C'est le centre de santé des Iwa. C'est moi qui construis. Maintenant, côté sénateur. J'étais pas sénateur. J'étais tout simplement un simple citoyen. Que je suis arrivé ici aux Iwa. Il y a des citoyens des Iwa qui m'ont encadré. Et à ce moment-là, je travaillais dans un programme. Et puis, nous avons construit ce centre. Très bien. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être issu de la communauté elle-même. C'est d'être imbu de un processus patriotique. Et c'est ça, le pays appartient et c'est ça, au peuple haïtien. Correct. Que vous soyez aux Iwa, ou bien Makoneti Rivière, ou bien Miragouane, vous êtes un citoyen et nous devons travailler ensemble pour construire quelque chose. Pasteur Richer, vous parlez de amour, mais amour là, nous connaissons deux façons au Kagen. Au Kagen naturellement, mais au Kagen par l'éducation. Par, j'en traite là, par l'État. Comment pour moun, les Iwa? Anse de nous, Dame Marie, comment pour ta gain amour pour zone, pour environnement, pour côté au sortir? Puisque nous connaissons dans trois façons ça. Est-ce que j'ai une éducation c'est... assez? Est-ce que pas de découragement? C'est exactement ce que, par exemple, ces jeunes sont en train de faire. Le fait, par exemple, d'avoir créé cet instrument de communication et à travers laquelle ils sont capables de faire sensibilisation, éducation et formation des gens, c'est déjà un pas. Maintenant, s'il y a d'autres qui veulent s'engager en tant qu'animateur dans la rue, c'est toucher pour toucher mon yo. C'est-à-dire que la misère s'est installée dans ce pays, et puisque misère vient installer, bon, c'est de valeur nous vient perdu. Très bien. Ça veut dire, je dis à la par exemple, moi quand j'étais gamin, mon garantie, m'a douza, me répéter le bout encore. Alméus qui était là, c'est ton apprenteur. Quand je suis arrivé aux Iwa, j'avais 40 ans. Même pas chambre de l'Alméus. Jamais. Il était plus âgé que moi. Ton Alméus? Ton Alméus? Voilà. C'est ton... Ou bien apprenteur. M'a foutu si t'es nul. Ça ne se faisait pas. Il faut un respect. Il faut avoir du respect pour les gens qui sont plus âgés. Les gens qui ont contribué à faire de toi ce que tu es. Vous n'avez pas besoin de faire un bagage pour vous directement toucher, non? Mais le fait d'avoir travaillé. Par exemple, je me prends en tant qu'exemple. Je prends un monsieur. Il s'appelle Azor. C'est un jeune. Il est jeune. Il est grand monde, mais il est jeune. Ouais. Il a des visées. Monsieur, des projets. Mais, l'on prend ça, je dis à là. C'est ensemble, dans le respect l'une pour l'autre, ou même pour former personnalité pauvre. Vous comprenez? Si vous campez devant monsieur, vous parlez de moi-même qui sont anciens. Et pour parler d'une manière farfelue. Pas comprendre que monsieur Bral Borone, non? Ça c'est la Borone pendant qu'on est devant ça, là. Ça c'est République morale là. Voilà. Qui n'est plus. Et c'est, je pense que, par exemple, station ça qui fait là, n'est pas capable de servir de lit. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Parce que nous pouvons former des journalistes qui ne sont pas forcément des journalistes de calibre, monsieur. Ouais. Mais des journalistes qui font du porte-à-porte. De l'éducation permanente. Correct. Comment les gens doivent développer une certaine solidarité entre eux. Par exemple, ce qui a été dit dans cette église ce matin, je l'ai entendu. Mais ça peut rester dans l'air. Si pas de monde qui fait l'air.
Exactement. Où sont l'église là? Oui, j'étais à l'église. Où c'est un pasteur évangélique qui toujours dans l'église catholique? Non, mais je ne suis pas une question. C'est pas une question de pasteur évangélique. C'est-à-dire que c'est une question de côtoyer à un moment donné. Très bien. Ça veut dire que ma maman était protestante. Je suis protestant. Mais je n'ai rien à voir contre un qui est catholique. Ou okay. Et ce n'est pas ce type de débat qui est important pour le pays. Sénateur André Sichet, vous connaissez aussi une personnalité qui est très aimée, en fait, de la République. Ça compte tant que... Certaines personnes m'apprécient. Je ne peux pas dire que je suis très aimé. Vous êtes très aimé. Vous êtes très aimé. Certaines personnes m'apprécient. À entendre. Ça compte tant que le pays a pas tant d'eau. Et bien entendu, il y a pile situation qui évolue dans le pays. Je dis à comment ce sénateur de la République, comme citoyen haïtien, c'est qui lecture de la situation actuelle d'Haïti? C'est une lecture très simple. C'est-à-dire que tu vois, c'est un pays qui a connu une dictature pendant près de 29 ans. Et pendant 29 ans, ça, puisque dictature, la junte a fonctionné, hein, t'es freiné, m'da capable dire, la formation intellectuelle de la population haïtienne. C'est-à-dire, après 29 ans, il y avait une catégorie très mince qui t'a gagné une certaine habilité intellectuelle à comprendre ce qui se passait. Et nous sommes arrivés, comme si nous avons dit, d'une manière catastrophique à un processus de bamboche démocratique. Les gens n'ont pas compris ce que c'est que la liberté de la parole. Parce que liberté de la parole, pas voulait dire que pour me chiter là, pour m'appeler respecto. C'est pas ça que liberté de la parole là. Liberté de la parole, c'est de pouvoir construire ensemble quelque chose qui est capable de satisfaire nous toutes qui là. Or, c'est dans ça que nous venons entrer. Et depuis nous entrer là-dedans, là, il fait que Jodian, pays a retrouvé dans ce marasme dans lequel ou est qu'il pas même capatogé. Donc ça veut dire, pour moi-même, ben c'est sous-dim qui lecture. Je m'y attendais. Ouais. Je m'y attendais parce que. Et Mabdou, bagay ou pral pire toujours. Sortim là. Oui, pral pire. Fait ça. Non, nous toujours disons matin de bas, chaque jour. Mabdou, bagay la plus mal. Les choses vont aller. Nous, que bagay ou ka vin pire. Ouais. Et y a vin pire là pour yon ta changé. Il faudrait que jodi à là, ou même, monsieur, monsieur, nous tous nous prenons décision. Que n'a changé de tir là. Parce que nous avons développé au cours de ces 15 dernières années des nouvelles sensations. Nous avons négligé ce que j'appelle la formation des gens dans ce pays. Et les gens dont sont devenus non seulement paresseux, irrespectueux, attend tout de l'autre. De l'autre, très bien. Pas des monde qui voulait mettre meilleur dans la patte pour le travail. Et comme si m'dadou que les gens attendent. Ils attendent toute bagaille de l'autre monde. C'est pas ça où est le mendicité, hein? Non, il n'est pas arrivé dans ce stade ça. Mendicité à ces jeunes garçons, par exemple, qui pas comprennent que il peut produire. Ok. Il peut créer. Par exemple, ici, les Iwa, on n'est qu'à créer un bagaille. N'est-ce pas qu'on doit commencer un business avec simplement une question de. Charger téléphone. Il pas connait le café ça. Il pas connait que avec par exemple un igloo, il mettait des trois bouteilles d'eau, des trois petits sachets d'eau, il ca commence son business. Et c'est éducation ça pour nous mais malheureusement, les enseignants, les professeurs, les journalistes, les pasteurs et même les prêtres qui ont une formation capable dire et académique assez élevée. Oublie parfois ce paramètre de rassemblement des gens que cette formation est essentielle et idéale pour que normalement nous fassions pays avancer. Est-ce que l'évolution donc, technologique pas, en fait, contribue à ça n'a pas l'air là tout? Bon, moi-même pense que parce pays d'Haïti, par exemple, ou qu'on que je dis à éducation peuple a fait une fois, il y a 15 ans en arrière, on m'avait posé la question, je te dis que qui ça mouait pour pays d'Haïti?
dit d'abord il nous faut une révolution de communication d'abord dans ce pays, c'est-à-dire donner accès à la parole aux gens, etc. Il dit que il faut travailler vers l'éducation. Rendre par exemple les choses, les accès faciles. Par exemple, imaginons que, regardez là, nous avons un petit bureau qui est là derrière nous, là, nous sommes là aux Iwa, c'est pas une distance de 30 km, et pour entrer là, c'est une plus gros calvaire qui est dans le monde là, pour aller à Tiburon. Donc ça veut dire que tout type de bagaille, il faut que nous tassions sous yo et puis pour nous avancer. Mais par contre, ça nous fait. Au cours de ces derniers temps, nous plus chita dans la vie politique. Politique là, elle est importante, mais c'est une politique comme si nous avons dos à dos. Une politique de haine. Une politique de division. Parce que nous sommes incapables de construire dans ce pays, depuis 34 ans que Duvalier est parti, nous n'avons pas qu'à construire des partis politiques ayant la capacité d'apporter un projet de société à la population. Tout bagaille ça fait que nous arrivons dans ça où nous sommes okay. Là. C'est la dernière sujet. Mais candidat dans la rue, c'est son candidat. Nous ne pas le faire parler d'ailleurs. Ok. Sénateur de Siché, nous regardons l'actualité entre temps. Face à cette crise, est-ce que selon vous-même, le président Jovenel Moïse se comporte bien? Moi, je pense est-ce qu'il a un bon comportement? Moi, je pense que Jovenel est très. C'est un homme. Ah, ben, Souko. Jovenel a été candidat à la présidence, il a été élu président. Pour moi, jusqu'à présent, il a fait une très bonne gestion de sa présidence. Ah bon? Oui. Parce que... Son gros déclaration fait la rue. Non, je ne fais pas une grosse déclaration. J'ai dit simplement ce que je suis en train de lire. Pour qui ça me dit qu'il a fait une très bonne gestion? Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, je crois. Vous pensez bien géré là jusqu'à présent? Mais écoute... C'est pas parce que vous êtes en fait dans le cabinet de Jovenel Moïse non, comme conseiller? Non, je n'ai pas été dans son cabinet. Ok. J'ai dit que, pour moi, il a fait une très bonne gestion. Parce que pour qui ça le fait une gestion? C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir depuis monsieur arrivé sous pouvoir, c'est baf la prend. Bien. Nous apprenons baf. Et s'il a pu résister, c'est pas sérieux. Et, ouais, par exemple, tout à l'heure, on t'a parlé avec maire, on t'a parlé avec délégué là. Jovenel là fait quelque chose ici aux Iwa. Mais c'est parce que, justement, c'est manque de formation et d'engagement, oui. Qui fait par exemple cette installation électrique que monsieur mettait là, il est presque perdu. Parce que les gens aiment à se croiser les bras et puis il n'y a pas de contribution et de participation de la population. On ne les éduque pas dans cette orientation-là. Moi, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire que pour moi, je crois que le fait d'avoir vécu une situation politique de ce genre, le monsieur n'a pas pu réaliser peut-être ce qu'il voulait. Mais, écoutez, là où on est rap tendu, on est rap fait critique de Jovenel Saldo. Et de Jovenel son menteur. Ouais. Là où Jovenel est son menteur, pour qui ça? Parce que Jovenel dit la bas électricité 24 sur 24. Ouais. Mais, écoutez, électricité 24 sur 24, c'est pas une promesse. Ouais. C'est un engagement. C'est un processus. Eh bien. Parce que normalement, on ne peut pas un gros pour le fourrer mon pour prendre l'argent. On ne peut pas un gros pour le fourrer mon pour prendre. Donc c'est un processus. L'engagement, donc, c'est électricité, il te dit la bailler, il baille. Il n'est pas encore baille. Parce que la printemps, puisque normalement, et, est-ce que vous avez réalisé déjà? Non, mais il baille date, oui, dans 24 mois. Oui. Non, dans 24 mois, s'il y avait une certaine stabilité, il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas de stabilité. Et la stabilité, c'est la participation de tous les citoyens dans, derrière un projet. Par exemple, je prends le projet de l'électrification d'Haïti. C'est un projet citoyen. Okay. Ça ne peut pas être un projet simplement gouvernemental. Ça doit être un projet citoyen. Parce que ça peut se faire au niveau des Iwa avec le solaire. Ça peut se faire au niveau, par exemple, de la vallée de la Grandance. À l'aide, par exemple, du fleuve de la Grandance. Ça peut se faire du côté de Pestel avec la rivière Glace. Ça peut se... C'est-à-dire, il faut de l'imagination. C'est pas simplement de dire que nous prenons l'électricité dans 24 ans, dans 24 mois, et puis, non,
Il faut engager la population. Mais pour que cet engagement se fasse, il faut qu'il y ait une certaine stabilité politique. Ok, l'opposition se comporte bien. Durant les trois, bon. Durant les trois derniers, en fait, les trois dernières années du mandat du président. Si je peux dire, je ne peux pas répondre qu'il se comporte bien, puisque l'opposition avait en quelque sorte, soi-disant, l'idée d'un projet qui était de renverser et Jovenel. C'est-à-dire, ôte-moi pour que je puisse m'y mettre. Claire. Donc, si dans trois ans ça n'a pas pu se faire, je ne peux pas dire qu'il se comporte bien. C'est-à-dire que il y a quelque chose de. Il y a une faille. Oui, mais on va dire son échec. Mbappé dit son échec. Moi, ce que je veux dire, je ne veux pas qu'il soit comme ça. C'est-à-dire cloué au pilori X ou bien Y. Moi, je crois que après 200 combien d'années d'existence, Haïti a besoin aujourd'hui d'un phénomène de rassemblement de ses fils, de ses capacités, côté OIA pour mettre. Parce que. Il y a un problème dans ce pays. Mon problème, nous bloquer. Ouais, c'est vrai, nous bloquer. Pays a bloqué. Ouais. Et puisque le bloqué, il faut que les citoyens et les citoyennes de ce pays se réveillent. C'est pas à shooter sur le monde, dire tel pas bon, c'est moi-même qui bon. Tout ça, c'est bullshit, tu vois. Bullshit. Oui, yeah, bullshit. Moi, ce que je pense qui doit se faire aujourd'hui, c'est une sorte de coller. Des capacités. Mais, sénateur Richer, bon, mandons bagay rapide, ou permettre moi de la tête. Est-ce que sénateur Richer, depuis sous Duvalier, où tu es clair sur position, tout le monde est en position, où, a fait de façon prêchée, et donc, où tu es engagé dans la bataille sociale, sous Jean traitement où tu es sous Duvalier, vis-à-vis de fidèles ou ensuite de prise de position. À 40 ans, ou vini bon ici, hein, ça veut dire que ou t'es dans route sociale là pour aller déboucher sur politique. À l'âge où, passé ou dans question politique, discours rassemblement, ça t'es toujours dans bouchou. M'attendo un petit temps, toujours t'endo à parler de rassemblement, mettez tête ensemble. Est-ce que je dis en 2020, sénateur Richer a dit, senti découragé, les senti passer là, engagement il te prend prison, etc. Est-ce qu'on a senti que son lave monsieur à terre ou? Mbappé dit ça, quand je vois ces jeunes qui essayent de prendre la relève, d'une autre manière, les Iwa, pas de gain radio, je dis à l'gain. Les Iwa, pas de gain commissariat, je dis à l'gain. Quand je suis arrivé aux Iwa, il y a une trentaine d'années, son dame qui était les Jacqueline qui était là, tu es un petit bail tant que ça, c'est ça que tu sens santé les Iwa. On paix. Et c'est ce prêtre là qui t'a fait si sentir ça. Il s'appelait le père Calas. C'est lui qui m'a encouragé parce que je n'avais aucune intention de faire de la politique active dans ce pays. Yeah. Son jour vient là, machine père en panne. Et puis, père après besoin de Jérémy. Moi-même, d'après le dame Marie. Père a demandé mon libre. Quand il y a là, monsieur, monté dans la machine. Là. Nous pour aller. Là, vous avez mandou. Monsieur, ouais, tout le monde mandou. C'est pasteur. Et puis, là, nous arrivons, l'illet. Tout le monde, pasteur. Nous arrivons, et on se dit, non, même bagarre là. Là, nous arrivons, dame Marie. Bon, monsieur, là, monsieur Gaïnet. Quand il y a là, me dit chauffeur, hein, vous pourrez le déposer, père, pour moi. Jérémy. On y a mouillé et. Quand y a là, la prochaine fois que père rencontre, père dit, pasteur, pour qui sont pas les candidats au Sénat? Pour qui sont dit ça? Il dit, parce que moi, tout le monde c'est derrière. Il s'appelle le père Calas. Son nègre, on est capable de dans la hiérarchie. Et de m'dakababre l'institution catholique là ici, où te gen le père Julien, et te onèg qui m'dakababre dit, c'est papa ou ça, ou gen Cicéron, qui don l'autre, qui te vin là, ou te gen La Roche, tous ces des gens, hein, La Roque, hein, et pour te gen Calas. C'est Calas qui m'a encouragé. Calas, c'est un côté, zone en bas la rivière Bonbon,
mais qui te travaille ici là, c'est lui qui m'a encouragé. Et puis bon, mal dans l'élection, effectivement, à l'époque je n'avais même pas mesurer la situation politique qui était dans le pays. Yeah. La haine qu'il y avait chez les Haïtiens, moi je pensais que tout le monde devait se mettre au travail pour nous construire quelque chose. Mm-hmm. Et puis voilà qu'il y a eu tout ça. Et puis, entre-temps, je suis devenu sénateur. Mais par contre, je dis à la pas grand Haïtien là, peut-être nous-mêmes qui journalistes, qui connaissent que quand tu es sénateur, soyez. C'est jeudi à moi, l'entendre à parler des sénateurs, même demander est-ce que me des sénateurs. Non mais je vais me demander est-ce que me des sénateurs. Demander est-ce que me des sénateurs. Pas même des sénateurs à son bon monde, son bon voleur qui a pillé pays à cap c'est. Parce que là nous on a qui année. Hein, je suis en 2006. En 2006 où tu connais ou même père avait encouragé pour candidat au Sénat, c'est continuité service ou ta belle population. Voilà, très bien. OK. C'est à toi, Richer. Vous présentez un candidat qui c'est Maître Ronald. Alors, je te Je dis que trois sénateurs dans le département, ma balle au vote. Ok, ça veut dire. Et ma jambe grand bon côté pour me dire que je suis mal de lit. Mesdames, messieurs, sur. Vous comprenez? L'émission. Et si monsieur demande pour me dire, Nexayo, voyez sous lit, ma dio, voyez sous lit. Mais ma dio, c'est ma dio pour vous voter. Mais pour vous, encadrer le, quitter le passé, etc. En parlant des élections. Luko bon seconde. Mesdames, messieurs, dans l'occasion fête la merci, nous les Iwa, nous suivons matin débat, un mariage de radio Ziwa Inter et radio télévision Éclair, et nous recevons. Sénateur Richer, sénateur Richer. Sénateur Richer. Qui a peine présenté nous, Maître Jean-Roland Azor, comme candidat PAL. Regardez, ou des autres. Ouais, ou même. Non, où sont les qui des autres? M'appelle sur vous, des autres. J'ai rectifié. Bon, là, on va insister. Non, mais si c'est sous son premier dia. Bon, monsieur, pourquoi même dit. Sous qui bannière politique libérale. Étant donné que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et chaque fois, moi, monsieur, je toujours dis, monsieur, c'est le sérieux qui est important, l'honnêteté. Ça veut dire que quelqu'un qui veut devenir sénateur doit avoir un comportement d'homme honnête, respectueux. Ça veut dire, même l'on a mis un vagabond, yo obligé respecto parce que pratiquou j'en fonctionné nèg la obligé respecto. En parlant des élections, est-ce que vous pensez qu'il y a une élection dans le pays? Est-ce que vous pensez que Jovenel Moïse comme président de la République capable arriver à organiser des élections donc, en Haïti? Ma pensée qu'on bagay. Ça va dépendre de qui ça? Monsieur élection ça lié. Pour qui sont allés dans l'élection? Ou allés dans l'élection parce qu'on estime que à un certain moment donné, il faut qu'il y ait une certaine alternance. Claire. Il faut que les autorités qui dirigent, eh bien, on estime à un certain moment donné, les autorités doivent être remplacées. Et puis, il faut faire un changement. Mais ça doit être une volonté populaire. Ça ne peut pas être simplement l'idée d'un individu. Mm-hmm. C'est-à-dire, si aujourd'hui le peuple haïtien estime, après tout scandale qui s'est fait, que ce soit au niveau du Parlement, et tout scandale qui fait dans le pays, par exemple, et pays lock, tout bon bagage, si le peuple haïtien estime que le moment est venu qu'il y ait, par exemple, un changement dans ce pays, qui est de nouveaux dirigeants, et bien peuple là a dégagé pour participer, pour organiser l'élection. Maintenant, c'est peuple là qu'on connaît. C'est-à-dire que les gens qui dirigent
doivent donner les orientations. Mais par contre, le peuple aussi doit s'engager dans son changement personnel. Ouais, par exemple, nous ça déjà. Mais si c'était, moi dou que est-ce que par exemple le curé là, il n'est pas journaliste. Ouais. Mais il a compris à un certain moment donné, eh bien, ça peut servir d'un cadre de formation pour la population des Iwa. Eh bien, d'y engager là-dedans. Oui, mais avec la prolifération des gangs, sénateur en DCG. Mais monsieur, comment gang? Gang tout partout dans le pays, même là, dans le département de Gandas. Non. Eh bien, c'est problème ça gagne dans le pays. C'est-à-dire que les gangs se sont multipliés. Vous comprenez pour qui ça? À cause d'une certaine tolérance. Claire. C'est-à-dire que, nous changeons par exemple, il y a un nègre Léanel qui est un petit bandit qui a fait des ordres dans le pays. Petit bandit? Oui, on m'a dit. Un petit bandit. Bon, monsieur, c'est un élément qui va même représenter monsieur physiquement. Ouais. Imaginons que, il y a été qui ça journal, même Louko, dans des Louko qui a parlé. Oui, Anel va le parler. Qui fait ça, il n'y a pas d'importance. Pour qui ça? Parce que. Mais il n'est pas seul. Non, parce que. Parce que l'ordi, l'envie nous. Vous t'entendez nous quand même. Attends. Oui. Oh non, mais vous comprenez. L'ordi, par exemple. Parle, oh, Anel, vous allez parler. Vous allez courir. Ça veut dire, vous avez gang dans j'arrête. Ok. Les bagages à représenter, mais... c'est talon nous, talon néo. Parce que, il ne faut. Et même, par exemple, dans les cas de kidnapping. C'est. Les gens qui kidnappent les gens. Bon, kidnapper les gens. Pour qui ça? C'est où on doit arriver au moment où une industrie développée, oui, une industrie de kidnapping développée, parce que j'en connais une question. Hein. Mais il y a que ça, c'est au pilori pour clouer de temps en temps. Pour pas bien la côté pour le passer. C'est pas lever le matin pour dire et gang a petit maïen dans le pays. Hein. Non, c'est pour dire population et NIP, population grenance, réveillée. Il y a des bandits dans nos murs. C'est le sénateur qui a parlé là, il va pas passer. Ah là. Oui! Non, le pasteur aussi. Ah bon? Oui, parce que je prêche comme ça. Ok. Donc ça veut dire que il faut leur dire qu'il y a des bandits dans nos murs. Par exemple, je dis à la mienne Monsala et Timon et Kambenala. Vagabond à serrer là-dedans. Mais c'est pas même le devoir de la police. C'est la population des Iwa qui doivent se réunir comme un seul homme. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi appeler les bandits? C'est vrai. Parce que ce groupe a tolérance. C'est une question de société. Vous ne comprenez pas? Je suis là, on vient dire aux bandits, nek divino, nek ceci, nek cela. De pourquoi nek la son malandré, marche prendre? Marche prendre! Mais c'est vrai. Parce que si vous pas fait ça, petit tout a vint cangrené. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça que je pense qu'aujourd'hui, et je dis à ces fêtes là, merci. La merci, c'est maman toute petite. Je dis, je suis allé à mon père, a dit. Et petite, la merci, va me faire une bataille. Eh bien, je dis à la, vous pensez que dans le dernier petit coin, nous sommes là, dans les Iwa. Alors, pour les Iwa, tu as quitté le bandit, venez saler là. Ou qu'on n'est pas pour dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, ou son complice. Cloche. Je vous laisse la parole à ce monsieur. Une dernière question. Mais non, avant. Une dernière question. Maintenant, dans le registre en fait, des élections, il y a un conseil électoral qui montait. Oui. Vous pensez que Libye montait? Je me suis convaincu. C'est le représentatif? Je vais vous dire une chose. Vous attendez ça, Mabdoulaye? Allez-y, sénateur, allez-y. Le conseil, ce conseil électoral qui fait là, son bail qui est inscrit dans la constitution pays depuis 1987. Après l'élection Maninga fin fête dans le pays, pas de supposé qu'il y a conseil électoral provisoire encore. Ouais. Ça fait 32 ans. Oui, même constitution sans l'IPA. Tant de moins, ça fait 32 ans. Provisoire et permanent. Non, l'IPA mais depuis l'IA, nous sommes de faire. Ouais. Mais nous sommes capables de faire. Nous pas jamais faire. C'est bien. Et Préval, qui était président de la République, voyant par exemple l'opportunité que Conseil Constitution a tebay pour te former un conseil électoral avec la participation populaire, l'écraser, il fait un faux amendement. Et faux amendement, ça peut arriver avec elle, c'est que il est dit que trois pouvoirs, chaque bail trois moun, etc. En façon que le connaît le tap bien pouvoir dans mel, il a toujours instauré bagay yo. Bail raté dans mel.
Matéli vini, li appuyé de sous bagay ça, il a tenté de faire un conseil électoral. Ça n'a pas marché. Puis ça lui-même, Jovenel qui arrivait au pouvoir qu'on y a là, Jovenel m'da capable d'où c'est un président qui a eu plus de calamités dans ce pays. Oui. Son équité calamité au contraire. Ce monsieur n'est pas devenu fou. J'aime dans des mounab dit tête liso, mais le regardez bien. C'est quelqu'un qui sait son qui connaît. Ah non, monsieur dégagez tête li. Parce que sous ça moué nèg ça prend là. C'est pas n'importe qui peut prendre ses frappes. Eh bien, monsieur, il s'est dégagé, il s'est débrouillé. Moi, monsieur, forme mes conseils là. Même parce que quand tu formes, c'est-à-dire, c'est schéma pour faire. Donc on étudie mathématiques l'école, donc il faut toujours d'abord avoir un schéma. Bien. Le schéma est là. Maintenant, conseil électoral, là, c'est une nécessité nationale et qui demande la participation de tous les secteurs. Et ça peut se faire. Oui, mais tous les secteurs ne sont pas... Oui, mais au fur et à mesure, ça rien doit faire. Oui, chemin faisant, les choses peuvent se faire chemin faisant aussi. Donc par conséquent, moi je pense que, pas critiquer ça fait tout. On n'a pas dit que normalement nous pourrions et nous pourrions déboucher sur quelque chose de concret, mais je le souhaite, parce que m'estimer que le peuple haïtien a tellement de problèmes, il y a tellement de misère dans ce pays. Moi, je crois que les Haïtiens doivent comprendre. Imaginez-vous mettre là, et ça y a qui dans Iwa, qui lève Timoun Iwa, qui est mon Iwa, qui est notable, je dis à Kapmande, oui. Tellement pays a vu de misère. Je prends les Iwa, mais et même pas là pour Moron, c'est même pas là pour Chambilan, même pas là pour Damari. La dernière question, sénateur, bon. Mais il n'y a pas que moi, il y a quelqu'un d'autre. Non, bon, dernier. Mais il ne faut pas insister seulement sur moi. Non, on n'a pas le point mettre là. D'ailleurs, on est présenté maintenant. On n'a pas le point là. Le candidat. Où connaît la population toujours sous? Je viens de répéter ça encore, même encore ma première logo. Population toujours sous. Moi-même, je dis, m'étonner, je pense que tu as demandé, député, tu as tout le matin. Comment on fait dire, ou tenez, parce que ouais. Parce que tout pays a connu, ou la diplomatie a ou dehors. Bon, c'est ce que les gens disent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Par exemple, Mabdou Magay, moi-même, moi, je suis là. Nous sommes fait 5 mois fermés dans un caille ou un appartement consommé à Moussouti. C'est à Genève. Ils étaient considérés comme une personnalité à risque. Ça veut dire, Corona a tué tout le monde. Bon, je n'ai pas pris la rue pendant 5 mois. Mais pendant ce temps, moi, j'ai pris un cap sauté sur Facebook, parlant de moi, que je suis à Saint-Domingue, je suis à Paris. Je suis ceci, moi cela. Bon. Mais vous étiez où en fait? J'étais dans les bras de ma femme. Alors, mais cependant, mais je suis encore en vie, c'est-à-dire que je passe cette étape-là. Ouais. Mais cependant, Mabdou Magay, ce que je n'aime pas, ouais, par exemple, dans le type de conversation, ça nous gagne. C'est-à-dire qu'il faut toujours éviter le côté personnel des choses. C'est-à-dire que nous avons commencé une conversation basée sur la situation du pays. Comment changer ça? Qui ça va nous faire pour nous améliorer la question? Maintenant, si tu finis cette conversation en m'expulsant, c'est-à-dire en voyant monter, mais laisse ça. C'est comme si nous avons détruit tout ça que se dit. Nous devons ensemble travailler. D'ailleurs, je pense que dans un avenir pas trop lointain, je viendrai en direct dans l'émission. Mais je dis à là, par exemple. Mais pas venir bloquer Delma, non? Je dis à la si que... on va bloquer Delma. Non, on va bloquer Delma parce que Sam Dak a dit. C'est que, ou pas besoin d'annoncer. Monsieur Pendant Samblé Dou, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est fête. La merci. C'est fête la merci. Mais, quand la merci remet crié, t'as les l'appli pour aller tomber là. Oui, parce que même moi, l'appli pas tomber depuis le matin, bien content. Mais m'a profité tout pour me saluer tout le monde, parce que ça fait longtemps que m'a ouais, pour me dire bonne fête. Et ça m'apprécie tout, c'est le fait que les Iwa, c'est une communauté
qui pas fait différence. C'est-à-dire protestants, catholiques, que tout le monde, ils ont considéré ça qu'a fait là, c'est fait Iwa. Et puis, ils ont entendu. Yo. Et ils ont toujours évité pour pas y avoir des autres pendant la période ça dans la ville là. Donc, j'apprécie ça. Et puis, je salue. Et m'apprécie nous-mêmes tout qui fait déplacement. Nous vini, nous vini by Mounio Jarret. Et je content. Et Titoto ça se propose de se porter candidat au Sénat. Il était déjà candidat. Oui, oui. Vous te connais, Louko? Oui, je ne connais pas. Je ne connais pas tout là. Non. Je ne connais pas tout là. Non. Donc, par conséquent, bon, même dit monsieur, je promets lui que s'il y a trois candidats, oui. Si on sel, et pour moi, ma beauté. Oui, c'est vous-même, oui. Mais si vous deux, ma balle vote pas, non. Donc, en fait, c'est confirmé qu'on va obtenir comme candidat au Sénat. Non, c'est pas encore confirmé. Ah, okay. Pas encore confirmé. Parce mais que... l'intention est là. Non, c'est pas l'intention. C'est une question de nécessité. Correct. C'est-à-dire, si je veux.